Bonjour à tous, aujourd'hui la ville d'Orange vous emmène sur le marché à la rencontre de ceux qui travaillent plus ou moins dans l'ombre. Vous allez ainsi découvrir l'envers du décor de la mise en place de ce rendez-vous hebdomadaire, cher aux Orangeois, mais pas que. Alors c'est un marché qui avait été initié dans les premiers temps par nos ancêtres les Romains et puis qui a été mis au goût du jour et on va dire sanctuarisé sur son lieu et son jour par les princes Nassau au XVe siècle. Et du coup depuis c'est un lieu de grandes rencontres et de grandes transhumances humaines et culturelles et festives et voilà. Comment ça se passe pour les Orangeois, mais aussi pour la municipalité? Comment ce marché a évolué au cours des années? Alors on a un marché qui a quand même subi des surfaces et qui a subi un peu les affres du temps. Donc du coup parfois il a fallu le réduire. Là on a eu une période qui a été très compliquée pendant la période du confinement et du Covid qui a dû le voir se déplacer sur le parking de Daudet. Mais quand même, on est arrivé là depuis la fin du confinement à le remettre à sa place, à le réétoffer. John Dumont, qui a repris le service depuis quelques mois, fait un excellent travail de redynamisation du commerce et du marché. Et la municipalité, son maire Jacques Bompard, depuis 25 ans, a à cœur avec son équipe à être présent tous les jeudis au sein des Orangeois parce que sa permanence, c'est la rue. Donc du coup, ça nous permet de rencontrer des gens qui nous font part de leurs problèmes et voilà, c'est une méthode de travail qu'on a et qu'on essaye de pérenniser. Comment se passe l'organisation du coup en interne de ce marché? Beaucoup de gens, je pense, ne se rendent pas compte de la logistique que cela demande. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Quand est-ce que commence le travail? Effectivement, donc le marché, entre parenthèses, on a l'impression que c'est un capharnaüm plus ou moins organisé. Mais il faut savoir que c'est des commerçants non sédentaires qui viennent s'implanter en masse sur un temps donné qui est très bref. Et ça se fait pas tout seul. Donc l'organisation, effectivement, elle se fait la veille par la mise en place de réception d'appels téléphoniques, de faire de plans schématiques afin de placer chaque commerçant au bon endroit. On fait attention à bien distancier les produits qui travaillent en partenariat avec les commerçants orangeois également. Et tout ça, ça demande beaucoup de travail. Donc le service est doté de 3 placiers qui, d'une grande motivation, arrivent à gérer tout ça. Mais c'est effectivement une tâche compliquée. On rencontre également beaucoup de problèmes avec les forains, puisqu'il y a les contents et effectivement il y a les mécontents. Alors ils se retournent souvent vers la collectivité, mais la collectivité d'Orange, qui est pourtant un bon partenaire, je pense, puisqu'elle donne les moyens à tout le monde, elle entend tout le monde. Mais il faut savoir qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut sur le marché. Donc on entend les problèmes, on essaie de trouver des alternatives, des solutions, mais c'est pas toujours évident. Et ce reportage, je pense qu'il peut être fait aussi de manière à faire comprendre aux commerçants, aux Orangeois, que le marché est un lieu essentiel de vie, c'est un point important de la vie et qu'on a envie de pérenniser effectivement que dans cette pérennité, il faut trouver des partenaires. Tout le monde est un peu dissocié et on essaye de regrouper ça pour un intérêt général commun. On a pu admirer du coup dans ce reportage que les placiers ont de nouvelles tenues. Bien visible. Pourquoi ce choix? C'est tout récent, c'est une nouveauté. Pourquoi ce choix? Puisque c'est placier, alors moi je suis neuf dans le service, j'ai un regard nouveau et je trouvais personnellement qu'ils avaient des tenues qui n'étaient pas correspondantes avec le monde du commerce. Aujourd'hui, on a remis ça en place avec mon élu, Yann Bompard. On trouve que la tenue est un moyen comme un autre de donner le sentiment qu'il y a derrière. Le noir est proscrit, on a remis des couleurs, de la visibilité sur les placiers et la tenue a été mise en place dans cet intérêt-là. Moi, je pense que les placiers, c'est des gens qui sont dynamiques, qui sont sur le marché, c'est la relation entre le commerçant et la mairie. Et il doit avoir une attitude de commerçant et non une attitude de vigile. Voilà, tout simplement. Et visiblement, ça a beaucoup de succès parce que ce matin, quand on les a suivis, tous les marchands leur faisaient des compliments comme quoi leur nouvelle tenue était super, c'était coloré, voilà. Merci beaucoup. Après, si je voudrais préciser, donc le marché aussi à Orange, on a la politique de rien et que rien n'est figé. Donc nous, on est à l'écoute de tout le monde et c'est vraiment un endroit ou un lieu de partenariat pour le service du commerce de la mairie, car on a vraiment envie de créer quelque chose d'unique. Mais ça se fera par le travail de tous, des commerçants et de la collectivité. Voilà. Bonjour.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer le processus et le fonctionnement du marché du jeudi? Alors, le processus commence le mercredi. Service de marché, bonjour. Donc le mercredi matin, à partir de 10h, nous prenons on fait la présélection. C'est-à-dire qu'on prend tous les appels entre 10h et midi pour être sélectionné le jeudi. Ensuite, donc à midi, on arrête. Et l'après-midi, nous avons une réunion avec tous les placiers. Et nous avons les absences et les places disponibles. Donc, entre tous, on propose des forains en fonction surtout du produit. C'est ce qui est le plus important à notre niveau, qu'on ait un équilibre dans le marché. Ensuite, donc, on rappelle les gens et on leur dit qu'ils ont été retenus ou pas retenus. Et on les fait venir le matin à 7h moins le quart pour la mise en place. Ça, c'est la première partie du marché. Donc, on attaque la veille. Ensuite, le jeudi, on commence par les fourrières parce que sur le périmètre marché, il y a toujours des véhicules qui se garent. Donc, ils font à peu près une moyenne de 10 fourrières par matinée. Donc, ensuite, nous, on reçoit les premiers forains. C'est-à-dire aux alentours des 5h30 du matin, les premiers forains arrivent. En l'occurrence, c'est les poissonniers. Les légumiers et les poissonniers sont les premiers sur le marché, sur le périmètre marché. Et ensuite, nous réceptionnons, à partir de 7h moins le quart, nous réceptionnons les passagers volants, c'est-à-dire les passagers qui ont été retenus le mercredi à la présélection. Et ensuite, ça se fait par étapes, on place au fur et à mesure qu'ils arrivent dans les places disponibles pour les places manquantes qui ont été déforées. Voilà, ça c'est la grosse partie le matin. Ensuite, donc à 9h, on fait un débriefing au bureau avec les placés. Et ensuite, jusqu'à 10h, on tourne dans le marché pour la sécurité. D'abord, on met le périmètre en sécurité et ensuite, on tourne en permanence pour voir s'il n'y a pas de problème sur le marché entre forains ou entre locaux et forains ou entre personnes et forains. Voilà, ça c'est l'essentiel du marché. Le marché va durer jusqu'à 12h30. À 12h30, à horaire d'hiver, les forains ont le droit de rentrer sur le périmètre marché et ensuite commencer à remballer. Voilà. En principe, on finit aux alentours le marché aux alentours des 14h, 14h15, le service nettoiement arrive sur le marché et commence le nettoiement jusqu'aux alentours des 15h, 15h15. Voilà. Voilà le gros du marché. Vous avez des forains fixes qui sont là toute l'année, qui ont le droit à un certain nombre d'absences mais qui doivent se signaler, et vous avez des forains volants. Comment ça se passe entre les uns et les autres d'un point de vue logistique pour vous? Alors, absolument. Donc le marché d'Orange est constitué de 166 forains avec des places fixes. Donc les passagers volants qu'on appelle, c'est quand il manque des passagers avec des emplacements fixes, les volants remplacent ces emplacements. Donc on a à peu près une moyenne aux alentours d'entre 15 et 20 places disponibles tous les jeudis pour remplacer les abonnés qui ont des emplacements fixes à l'année. En sachant que les abonnés doivent respecter un certain nombre de semaines sur le périmètre marché, pour que l'équilibre du marché se fasse correctement. Comment s'étend le marché? Il commence en haut de la rue de la République, il va jusqu'au cours Aristide-Briand. Le marché commence sur les deux cours Aristide-Briand, ensuite remonte par la rue Saint-Martin, place de la République actuellement là où on est, place Clémenceau devant la mairie, et une partie de la République jusqu'à l'impasse du Parlement. Voilà, ça c'est le périmètre marché. Et un autre petit périmètre que je pense que vous avez filmé, c'est les horticulteurs qui se trouvent devant l'office du tourisme. Ça c'est un petit îlot indépendant d'horticulteurs. Donc là on trouve des plants, des plantes. On trouve des plantes, c'est essentiellement ça. En ce qui concerne le paiement, comment vous récupérez les sommes dues par les forains? Comment ça se passe? Il y a deux modes de paiement. Bonjour monsieur. Il y a deux modes de paiement. Donc pour les abonnés, c'est-à-dire à l'année. Aujourd'hui à l'année, c'est 40€ le mètre linéaire à l'année. Et ensuite, il y a un autre mode de paiement qu'on encaisse tous les jeudis, journalièrement, tous les jeudis, et de 1,50€ le mètre linéaire. Voilà, ça c'est on l'encaisse tous les jeudis, les passagers volants, avec un appareil
pour encaisser et qui remet des tickets. Voilà. Donc ça, c'est quand ils arrivent le matin qu'ils se présentent, voilà. Vous les installez, vous alors, récupérez leurs documents. Voilà, à savoir que les fourrins volants qui arrivent sont automatiquement contrôlés par nous, qu'il faut qu'ils aient la carte de commerçant, qu'il faut qu'ils aient l'assurance et à la limite un cabis sur eux. Voilà. Donc ça, c'est la priorité. S'ils n'ont pas de papier, on ne les place pas. Voilà. Ça, c'est impératif. Vous travaillez en étroite collaboration avec la police municipale aussi, et ce, pas seulement pendant le marché, mais aussi bien avant que les premiers visiteurs arrivent. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment ça se passe? Oui, à 5h30 du matin, déjà, il y a une patrouille qui vérifie s'il n'y a pas de voiture sur les emplacements de fourrin. Et c'est vrai qu'ils interviennent rapidement avec une fourrière, mais avant ils préviennent, ils essaient de téléphoner au propriétaire de la voiture. S'ils n'arrivent pas à les joindre, c'est mis en fourrière. Puis dès que le marché est en place, ils nous appellent si on a un problème dans une rue, on intervient de suite. Et l'inverse se fait aussi. Si une voiture rentre dans le périmètre du marché, ça arrive. On essaie déjà par le dialogue si ça se passe bien, et sinon la police municipale intervient immédiatement. Ils sont très réceptifs à notre appel. Parce qu'il y a toujours une patrouille. Oui, il y a toujours une patrouille, et puis on a aussi la vidéosurveillance où on travaille énormément avec la vidéosurveillance. C'est nos yeux. Ce qu'on ne voit pas, eux, ils le voient et ils nous avertissent, et vice-versa, c'est pareil. Le matin, les fourrins doivent téléphoner à la police municipale pour nous dire qu'ils ne peuvent pas venir. Et c'est la vidéosurveillance qui nous prévient en nous signalant qu'on aura certains fourrins qui ne seront pas là ce jour-là. Donc ça vous permet vous aussi de vous organiser pour qui vous mettez à tel endroit, etc. Exactement, on s'organise et on évite qu'il y ait du vide. C'est la fin de ce reportage. Nous vous donnons rendez-vous, comme toujours, chaque jeudi matin pour profiter de notre beau marché orangeois. Très belle journée à tous et à très bientôt pour de nouveaux reportages.